Ici à Montgenèvre, on a un circuit vraiment complet, un circuit d'altitude, un circuit de montagne, qui se caractérise vraiment en deux boucles bien distinctes. La première boucle, on a une longue montée, assez raide, avec pas mal de sections techniques qui sont naturelles, avec du rocher et de la racine. Et une deuxième boucle, plus rapide, à flanc de montagne, le long d'un canal, où il faut être vraiment précis, parce que ça demande vraiment de la technique de pilotage. Par roule, pour prendre le rocher. Hop. Ce qui nous fait un circuit voilà, vraiment complet, et l'altitude le rend vraiment physique. Et dans un cadre évidemment magnifique avec les alpages sur la première boucle, une descente en forêt, une deuxième portion un peu plus au milieu des mélèzes, donc voilà, on est en montagne et au soleil. On a la chance d'avoir ce circuit qui a été récemment homologué et inauguré dans le cadre du label Terre de Jeux. Je fais du VTT depuis 15 ans. Et j'ai commencé dans un club briançonnais. Je viens sur Montgenèvre spécifiquement parce qu'il y a des parcours adaptés, des chemins adaptés, notamment avec le Badle Bike Park qui nous permet de reproduire ce qu'on trouve en Coupe du Monde. Venir sur Montgenèvre, c'est aussi venir dans un cadre idéal. Voilà, c'est vrai qu'on parcourt un peu l'Europe et le monde même, et Montgenèvre est vraiment idéal pour ça. On a beaucoup, beaucoup de soleil, donc venir dans un endroit ensoleillé, ça apporte quelque chose à ta préparation et ça te garantit de pouvoir rouler tout le temps. Les Hautes Alpes, c'est propice à la réussite. J'aime beaucoup m'entraîner à Charence, donc aux alentours de Gap, mais j'aime aussi beaucoup faire l'école du Galibier ou encore le Granon. Pour s'entraîner, c'est vraiment bien d'aller à Montgenèvre, mais aussi au Dévoluy ou pourquoi pas aussi les Ors ou Puy-Saint-Vincent. Je m'appelle Arthur Baucher, j'ai 22 ans et je suis un skieur alpin handisport. Je suis né dans le golfe de Saint-Tropez, mais j'ai très vite migré dans les Hautes-Alpes. J'avais cette activité hivernale qui est devenue mon métier et j'avais envie de remplir ma préparation d'été avec quelque chose qu'on pouvait faire aussi ici sur ce beau terrain de jeu. Donc j'ai décidé le vélo, plutôt le vélo de route que je pratique dans la vallée de Serre-Chevalier, mais aussi sur le VTT comme je peux le faire à Montgenèvre. Encore une fois, un magnifique terrain de jeu et on en profite hiver-été. Je suis Antoine Philippe, j'habite dans un petit village à côté de Briançon. J'ai 26 ans et je suis pilote en cross-country pour l'équipe Giant Factory Off-Road Team. Montgenèvre, du coup, c'est une station qui est assez facile d'accès avec la gare de Oulx qui est à 20 minutes, puis l'aéroport de Turin qui est à peu près une heure d'ici. En tant que cycliste professionnel, on peut retrouver toutes les infrastructures nécessaires, comme les jours un petit peu plus light niveau entraînement, le bike park avec les remontées mécaniques. Il y a des espaces bien-être également pour les journées où on a besoin de récupérer. Des salles de musculation. Même pour les journées off, il y a même un golf pour pouvoir aller se détendre et passer son temps. Tout est réuni à Montgenèvre pour avoir un petit peu des extras en dehors de l'entraînement. On s'y sent bien.